Mais arrête, oh putain, merde. Wow, wow. Reste tranquille, ma belle. Tu veux quoi? Tu veux pisser le sang partout? Non? Alors bouge pas. Fais pas l'héroïne. C'est quand tu m'as confié ton secret, ton obsession de te venger, que là j'ai compris qu'il y avait un truc à jouer. Et... il n'y avait qu'à passer derrière toi et les tuer vraiment. Après, il n'y avait plus qu'à mettre les flics sur ta piste. Ça, c'était déjà bien engagé. Une fois en tôle, j'aurais pu qu'à te demander de me confier ton argent. Tais-toi, Sacha. J'ai passé des années à me taire. Tu comprends, c'est fini maintenant. La bâtarde, elle l'ouvre sa gueule. Tais-toi, 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 merde. Je vais te parler. Le divorce? Qu'est-ce que tu racontes? Ne nie pas! Maître Dugommier m'a prévenu. Tu as demandé des renseignements sur la procédure. Il y a un autre homme, c'est ça? Non, il n'y a pas d'autre homme. Mais je sais qu'il y en a un autre. Il n'y a pas d'autre homme, je te dis, alors lâche-moi! Alors pourquoi? Parce que je ne t'aime plus depuis très longtemps. C'est pas vrai tout ça, c'est pas possible! Tu mens, Sacha! Si, Camille, tout est vrai. Mais pourquoi? Ton fric. Ton putain de fric! J'ai quitté mon bled pourri pour une seule chose: te retrouver et te prendre ton argent. Tu m'es tombé dans les bras comme une poire. T'étais si heureux de te découvrir un frère. Tu veux qu'on t'aide, oui ou merde? Oui, putain! Alors lâche-moi ces ciseaux de merde, espèce de connard! Eh ben dis-moi, t'as gardé de bon reste de ton ancien métier d'actrice. Ouais, c'est comme le vélo. Ça s'oublie pas. Non. Et ma fille alors? Ta gueule. Alors, je préférerais la prochaine fois que tu t'en tiennes au speech de l'académie, d'accord? Ok, patron. Allez, avance, toi. Puis tu vas me payer une bonne bière, hein. Allez, je te dis, avance. T'es sourd ou quoi?